fenêtre de la discussion par-dessus, on met dans le jeu, on est dans le jeu, on est parfait, on va pouvoir aller en live. On respire. Et bonjour à tous, bienvenue sur Bacal Live, le live où on fait du World of Warcraft après le boulot, avant le repas et avant Blue Dragon ce soir. Car ce soir nous faisons du Blue Dragon. Chose promise, chose due. Mais en rentrant du boulot, je me suis dit, j'ai 1h30 à perdre, qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais la perdre sur WoW. Parce que voilà, quoi. J'ai payé un abonnement en plus. Donc. Tu stream de nouveau aujourd'hui, et ouais, et je streamerai encore ce soir, mon ami Alucard. Et du coup, re-bienvenue sur le live, vu que tu étais avec nous ce matin. Et ouais, et maintenant, il y a Twitch qui me dit votre ami Alucard a rejoint le stream et ça me fait plaisir parce que du coup t'es allé plus vite que Twitch. Autant pour l'instantanéité de le chat hein. Et il a tout de suite compris que t'étais là 5 minutes après que t'as écrit. Ce n'est que de l'amour du jeu. Tu n'as pas de temps à te perdre, ce n'est que de l'amour du jeu vidéo. Non, c'est vrai qu'en fait j'avais pas envie de faire quoi que ce soit d'autre. Je prendrai ma douche après le live. Et bonjour Planus, bienvenue sur le live. Après quand vous m'entendez dire j'avais du temps à perdre, j'ai jamais de temps à perdre techniquement. Si je voulais, là je pourrais cuisiner pour demain, je pourrais cuisiner pour ce soir, je pourrais ranger la tonne de merde qui traîne depuis une semaine sur ma table. Il y a plein de trucs à faire, j'ai juste pas envie de le faire. Je préfère faire un bon vieux live des familles sur WoW, ça va bien. Et du coup, et vous deux les amis? J'en connais au moins un qui a promis de live, et j'en connais au moins un qui a arrêté de faire des lives ces temps-ci. Chacun de vous deux se reconnaîtra dans cette description. Parce qu'il y en a un de vous deux qui est déjà streamer, et il y en a un des deux qui a dit qu'il ferait des streams. Après, voilà. C'est ça, nos priorités ne sont pas IRL. Enfin, mes priorités à moi en tout cas sont pas IRL. Surtout en ce moment. J'étais au boulot cet après-midi, j'avais pas envie. J'ai besoin de plus d'informations. Eh ben viens en Savoie mon ami, je te montre tout ce que tu veux. Sinon, il va falloir que t'ailles sur internet. Hein. Je ne peux pas l'attaquer. Commence à la schnapps, on a tous commencé de la même façon, de toute façon. Avec des lives de grande qualité. Je ne suis pas attaqué. Ta ta ta, GG pour ton level. Prépare-toi un petit avatar. Tu mets un petit avatar en bas à gauche, à la place de ton visage. Tu dis mais si, je suis sur le live, regardez. Je dois m'approcher. Je n'ai pas de cible. Tu mets une fille en avatar, comme ça t'attireras les gamers. M'approcher.
Non mais t'as pas vu mon appart, Planus, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Demande à Kazuo comment c'est rangé chez moi. Si tu crois que c'est pourquoi je mets un fond vert derrière moi? Parce que là, si vous voyez l'état de ma cuisine, vous pleurez, les gars. J'ai même honte des fois. Bon, après, je réalise que en fait, non, mais. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille là où il y a 75 millions. Un tombeau dégradé par les intempéries. C'est trop loin, je ne suis pas à portée. Ah non, par contre, moi mes figurines elles sont bien rangées, j'avoue. Elles sont toutes posées sur mon armoire dans ma chambre, ça va bien. D'un autre côté, je compte pas étaler ma collection. Je veux dire, ma collection, c'est ma collection. Elle est pas là pour épater les viewers. Surtout que ma collection de figurines ne va pas très loin. Je suis un peu plus fier de ma collection de jeux. Même si elle non plus n'est pas fofolle. Mais... Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. J'ai l'impression que je n'ai rien à faire ici. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Toi non plus. Quoi? T'as une copine qui ne partage pas ta passion? Après, on me demande pourquoi je préfère rester célibataire et avoir 2-3 coups d'un soir. C'est curieux quand même. Toutes mes condoléances. Si tu t'es séparé de ta copine récemment. Non, parce que en général, les premiers mois pour retrouver quelqu'un, c'est compliqué. C'est pour ça que je te dirais pas GG. Même si ça se trouve c'était une chieuse et que t'es mieux sans, hein, mais c'est toujours un peu compliqué la rupture, donc. Suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Ça doit être putain de chiant quand on n'est pas un rogue.
rapporte rien, c'est merde. Hey, salut à toi Daradada. Bienvenue sur le live. Ah mais vous voulez quand même pas que je tue la liche les gars, vous êtes dingues, je suis tout seul. Non mais faut au moins que ça ressemble à un tout petit peu quoi. Oh, beau gosse. Du coup, il a pas envie de te répondre, t'as vu? Tout de suite, il y en a beaucoup moins, quoi. Par contre, quand ça va repop... J'ai pas envie de voir qu'Eric d'avoir il a des pets trop cheatés. Je dois m'accrocher. C'est trop loin. C'est pas une excuse, il faut toujours répondre aux copains. T'as droit de l'insulter, je traduirai, il doit encore écouter le live. Oh, il faut qu'on trouve des pets pour entraîner mes pets. Je sais pas si j'ai été clair, ça fait beaucoup de pets quand même. Je suis pas à portée. J'ai pas de cible. Un pet. Oh l'assaut. Et tu m'insultes, bah, j'adore ça.
Tu t'amuses? Bah oui, je m'amuse, pourquoi? J'ai même trouvé un petit jeu à la con pour m'amuser. Il y a un Pokémon dans WoW, quoi. Moi, si on m'avait dit qu'un jour il y aurait Pokémon dans WoW, j'aurais pas cru. Et c'est Bouffeur qui vient de tuer une araignée. Putain, il y a un lapin enchanté, les gars. Il est level 6. Je sais pas si on va y arriver. Putain, il déchire le lapin. Bouffeur a atteint le niveau 7. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Il y a mon chat qui pète une durite. Hein. Je savais que l'euthanasie était proche, mais je pensais pas à ce point-là. Attends, il m'a sorti du bouclier, c'est un lapin de merde là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce lapin de l'enfer là? Tiens, j'étais tasé moi! Je suis pas à portée. Pas de cible. Tu joues sur quel serveur? Je joue sur Hyjal. Hyjal. C'est un serveur normal. Normal. C'est le serveur où j'ai commencé à jouer il y a 10 ans. Et c'est le serveur où je ferai cette partie. Un homme de goût, si t'étais sur Idual, on s'est peut-être rencontré in game, qui sait. Qui sait. Ça c'est à vendre. Ça c'est à vendre aussi. Ça c'est pas à vendre, ça c'est à garder. Ça c'est à garder aussi. Ça aussi. Pam pam pam.
Allons sur la tombe. Il vous reste des talents non utilisés. Pas vu, pas pris. Augmente la portée de vos attaques en mêlée de 3 mètres. Vous lancez un grappin et vous hissez jusqu'à l'emplacement ciblé. Je m'absente pour un temps indéterminé. Eh bah écoute, bonne soirée Zenshu. J'espère que tu vas bien en tout cas, ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Et à bientôt sur Bacarel ou sur Zenshu Live. Parce que toi aussi tu devais live à un moment. J'aurais peut-être dû prendre plus 15% en déplacement. Ça aurait peut-être été moins relou pour farmer. Je ne suis pas à portée. T'inquiète, je m'occupe de tout, t'occupe de rien. Ta 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 ta. Je me fais une petite fortune aux enchères ces temps-ci. Ça fait plaisir. En même temps, j'ai l'impression que tous les prix ont pris une telle claque qu'en fait les gens ils sont contents quand tu vends de façon raisonnable. Des minerais, des minerais. J'ai chez Zenshu pour ton level, même si t'es plus là.
travers les plaines, je m'en allais gaiement tuer des Worgwen qui jouaient les fufus. C'est moi le fufu. T'as compris? I am fufu. C'est pas cela que je dois tuer. Je dois m'approcher. Ah si. Il y a une blatte. Je suis sûr que la blatte elle est plus forte que mon chat. Le garçon, sans plein peu dissipé, il ne sera pas facile à éduquer. Mais la fille aînée, Ti Loa, semble exceptionnellement brillante. Je ne peux m'empêcher de constater aussi combien elle est belle. Elle est presque une femme désormais. Il paraît que Monseigneur a arrangé le mariage pour l'année prochaine. Mais je m'éloigne du sujet. Cette semaine, je vais accompagner la famille à leur résidence d'été, près du camp de bûcherons de Palest, en Alvin. Non loin des Carmines. Je vous donnerai plus de nouvelles depuis là-bas. Il y avait une autre page. Sentiment étrange et incontrôlable. Jamais je n'avais ressenti cela. J'étais Giles dans sa leçon d'histoire et je voyais Tiloa par la fenêtre s'occuper du jardin. Quelques temps après, elle est rentrée. Elle a placé un bégonia écarlate dans ma paume ouverte et elle m'a souri de telle manière que mon cœur s'est mis à trembler dans ma poitrine. J'ai l'impression que cette histoire va mal finir quand même. Faut que je tue des magiciens. Arrête de tuer des traqueurs d'ombre. Ils t'ont rien fait, les pauvres. Alors que lui, c'est un magicien. Trop loin. La la la, la la la. L'araignée, l'araignée. On va tous faire l'araignée. Est-ce qu'elle peut faire étoile? Bien sûr que oui, c'est une araignée. Des côtelettes de mouton. Ça fait de la viande pour la saison.
faut que je fasse du mithril. Ou de l'or. Mais le mithril est quand même plus facile à trouver pour le coup. Il va falloir que je farme ailleurs. Je pense que je suis un peu en avance sur le farming de minerai. J'en suis où dans la forge, hein? Cuirasse, ouais, c'est pas rentable. Bronze et argent. Ouais. C'est pas très rentable non plus. C'est déjà plus rentable déjà. Il faudrait juste de l'intention. Salutations. Salut. Allez dans le... Tu veux voir ma bite? Elle est connue celle-là de blague. Moi pas le contraire. Bonjour. La preuve, je la connais. On se voit plus tard. Un plaisir de vous rencontrer. La lumière vous bénisse. Pas de soucis, la lumière me bénira. Vous avez besoin de quelque chose? Prenez soin de vous. Tu es le Capitaine Morgan? Ça a l'air bien. Je crois que j'ai déjà fait ça. Ça a pas l'air très drôle. Attendez. On va faire les mines. On va faire les trucs dans l'or. Trouver qui occupe la tour des repères des mendiants. Parti. On va aller là déjà. Après on ira au 5, au 3, au 2. Non, après on ira au 4. On prendra le griffon pour y aller. Salut. La lumière soit avec vous. Ouais, on va trouver Marie aussi. Mais d'abord, c'était l'ermite. Salut. J'espère qu'on se reverra jamais. Abercrombie. Vous avez besoin de quelque chose? On se voit plus tard. Faites un bon voyage. Ah ouais, mais on va pas faire des allers-retours toute la soirée. Hein. Et j'ai eu le skill de back. Ah, du coup, t'as perdu. T'as back to back. Back to back. Trop de skill tue le skill, je l'ai toujours dit. Morgan l'a dit. Nord est un grand et noble chevalier qui s'est battu pour défendre les innocents, les pauvres et les affligés. Pendant des années, il a arpenté sans faiblir les confins d'Azeroth, apportant le réconfort à toutes les veuves éplorées qu'il pouvait baiser. Non, c'était pas du tout ça l'histoire, hein, Rasoulé. Exactement. T'avais trop de skill, hein, je l'ai toujours dit. De toute façon, hein, critique autant que tu veux mon skill. N'empêche que systématiquement vous me demandez de venir. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu par pitié, mais. Vous avez besoin de quelque chose. On se voit plus tard. L'araignée. Je vais te taper par l'araignée. Un poulet! À l'assaut! Mais si ça se trouve, il va se métamorphoser. Ouais, pat.
Et ouais. Moi je fais du Pokémon, moi. Rien à foutre. Je suis un streamer de l'extrême. Et là la mascotte meurt normalement. Ah non, elle reste en vie. En attendant mon Aram. Je sais pas c'est quoi un Aram. Salutations. Pour l'Alliance. J'aime le risque. Oulet. Un plaisir de vous rencontrer. Adieu. Magic light. Et tout devient par magie. Arabe, ça me rappelle le nom d'un personnage, en fait. Ça doit être ça. Aram. Je me demande si c'est pas dans... Oh putain. J'ai des pertes de mémoire, c'est hallucinant. Enfin, j'ai une mémoire sélective plutôt. C'est pas des vraies pertes de mémoire. Faites vite. Pensez pouvoir me battre. Pêcher en arabe. Le jeu que je connais seulement par d'autres personnes louches. D'accord. Ah mais des personnes louches, j'en connais un paquet quand même. Ah c'est LOL. D'accord. Ah forcément si tu me parles de LOL aussi. Et je fais déjà un effort pour jouer à Heroes of the Storm. C'est déjà un miracle. A plus tard, Planus. Pour info, ce soir, c'est Blue Dragon. Hein. Donc,
comment je t'ai trop brûlé la gueule, quoi. Je t'ai vaincu, fais pas ton rage. Ça a l'air bien. Allons faire la quête numéro 2. Je me demande un peu comment sont rangées les quêtes en fait, parce que ils voient où je suis et ils mettent un là et deux là, alors que deux est plus proche. Est-ce que c'est rangé par rapport au niveau? Mais de toute façon les quêtes elles sont déjà toutes basse niveau par rapport à moi. Enfin. Pour la faire transparente, les cartes. On finira par trouver. Et ouais, à force de tabasser, on finit toujours pas y arriver. On bûche, on bûche, on bûche, et un jour on trouve. Laisse-moi tranquille, t'as pas le level, tu peux pas test. T'es un wargun. Bon, écoute, tu vas m'énerver parce que... pour ça.
J'ai quelques doutes sur la zone là quand même. Et là-bas c'est beaucoup plus large. Pourquoi vous m'emmenez là? Faut me détester ou quoi? Je ne suis pas à portée. C'est parce que j'ai critiqué votre façon de ranger les quêtes, c'est ça? Vous allez me dire, ouais, mais si t'avais suivi le chiffre, eh ben, tu serais allé au bon endroit. Ça va, faut pas être tata comme ça. Finir par croire que vous êtes tataifié avec le temps. Tataïouille. Qu'est-ce qu'il y a sous un grand chapeau? Hey, GG Proxa pour ton level 6. Oh putain, Proxa! Eh ben. Ça faisait un moment, mon ami. J'espère que tu vas bien. Je dois m'approcher. Je n'ai pas de cible. Il me faut une cible. Je n'ai pas de cible. Je ne suis pas à portée. Non. Tout à fait certain qu'elle partage désormais mes sentiments. Elle a même posé sa main sur la mienne ce matin. Lorsqu'elle sourit, ses yeux s'illuminent comme des diamants. Nous échangeons de longues conversations d'un simple regard. Je sens sa présence dans mon cœur palpitant et dans mes veines. Une colère, une furie dont j'ignorais qu'elle puisse exister. Comment ose-t-elle? J'apprenais de Giles les merveilles de l'arithmétique lorsque Tiloa est apparu devant moi avec un chevalier servant, la main dans la main. Un jeune homme sans raffinement. Au lieu de me présenter comme il convient, il aura assez simplement exclamé « Oh, et voilà mon précepteur, oncle Stavban. » C'est un charmant vieillard. Vieillard, en entendant ces mots, j'ai à peine quelques années de plus, elle serait... J'avais dit que ça allait mal finir, hein. Franchement. Hein. Pauvre vieux homme. Et il a été excité par une jeune fille. Et il s'est rendu compte soudain que c'était sa cousine. Mais ils sont tout bizarres quand même, hein, les textes. Donc... Thank you.
Au fait accompli, vous savez traverser les bois de la pénombre. Ok. Marie l'aveugle. Je dois m'approcher. Je ne suis pas à portée. Je dois m'approcher. Je trouve une cible. C'est trop loin. Je n'ai pas de cible. Il me faut une cible. C'est trop loin. Je n'ai pas de cible. Oui. Le reflet de la goule. Je perds la boule. Allez où? Où qu'il est le miroir? Ah mais c'était bon? D'accord. C'est pour ça que j'aime pas le ramasser auto. J'ai même pas vu ce que je l'avais ramassé. Strange rules. Strange rules. Je dois m'approcher. Honneur au roi. Pour l'Alliance. Voilà, c'est pour son cul quand même, là, monsieur. Parce qu'elle a un peu bon dos, l'Alliance. La lumière soit avec vous. Bonjour. Un plaisir de vous rencontrer. Je peux vous aider. On se voit plus tard. Que puis-je pour vous? Que la journée soit bonne. Salutations. Prenez soin de vous. Ils veulent tous me donner plein d'objets, c'est cool. Mais s'ils pouvaient vraiment me les donner, ça serait encore mieux. On se voit plus tard. Les bottes froides.
n'y a que la vérité qui place. Malheureusement, je suis assez d'accord. Salutations. Honneur au roi. Adieu. On va pas avoir la même définition de manoir. Nous sommes restés derrière notre mur bien trop longtemps. Et Russ et tout. Les amis de Gristeth sont mes amis. On peut s'incliner, non? Sinon, archidruide. C'est plus mieux que druide. C'est un plus mieux druide. J'ai fini Full Metal Alchemist. Ah, GG démo. Eh, bonjour démo. Marchez la tête haute. Oh putain, dites-moi que la cape de Stalvan elle est bien. Oh putain, elle est moche. Équipée quand même. Ça, ça se vend. T'as vu, elle est géniale cette série. Hein. Tu devrais laisser passer quelques jours avant de commencer Brotherhood par contre. Histoire de bien avoir réfléchi à tout ce qu'il y a autour de la série. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, Bagel. Et ouais, la fin est vraiment ouf pour le coup. Il y a vraiment un truc qui se passe. Le film est sympa aussi. Il y a un film qui suit cet animé là. Comment il s'appelle ce film? Du coup, c'est le film que je, le premier film qui est sorti de Full Metal Alchemist, il est pour cette série. Du coup, lui par contre, tu peux le regarder. Vu que t'as vu la fin, maintenant le film peut être bien. Oui, ça critique la religion, ça critique les gouvernements, ça critique les militaires. Il y a tout un sujet sur tout, sur toute la société et toutes les formes de religion, tout ce que font les militaires, tout ce que couvrent les militaires pour le bien de la nation et aussi pour couvrir leurs crimes. Il y a beaucoup de sujets à aborder sur la série. Mais c'est vrai que la religion est très critiquée pour vous. Je ne suis pas à portée. Ce n'est pas le cible. Même si la religion des
c'est Ishbal, je crois. La religion de Ishbal est plutôt une très belle vision de la religion, en fait. Même si eux aussi ont leurs secrets, machin. Toujours, toujours. Après, franchement, il y a très peu de séries avec pas, enfin, avec zéro double sens. Hein. Quand tu vois le dernier Alien avec tout le sujet de l'androïde qui pète une durite parce qu'il peut faire mieux que son créateur à lui, il veut créer quelque chose d'encore plus parfait et prouver que lui aussi il existe vraiment et que son créateur, voilà. Il y a tout un sujet sur la religion, notre vision à Dieu. Tout dans un film et dans une série est sujet à interprétation. Rien n'est là juste pour le plaisir. Sauf les boobies. Les boobies sont souvent là pour le plaisir. Ah là là. Le principe universel. Il faut donner quelque chose de valorique. D'ailleurs, j'ai un t-shirt Full Metal Alchemist qui est assez joli. Où il est marqué « On ne peut rien obtenir sans sacrifier quelque chose d'équivalent. » Une très bonne morale, je trouve. Je dois m'approcher. On va remplacer l'attaque de Kishan. Et du coup, dans Heroes Academia, il y a des sujets profonds et intéressants à développer, en fait. Qu'est-ce qui se passerait si des personnes pouvaient prendre le pouvoir Parce que tout cet univers où les super-héros, en fait, remplacent la police, sans être des policiers, tout en se sacrifiant, il y a des choses à voir. Le côté fanboy des gens, en fait, qui acclament les héros tout en remarquant pas tout ce qui se passe autour, quoi. Cette école en soi, en fait. Enfin, il y a plein de sujets à développer. J'ai Zenchu. Zenchu qui s'est caché dès la seconde où Demo est apparu. Qu'est-ce que t'as encore fait, Demo? T'as embêté Zenchu? C'est trop loin. Thank you.
Par contre, dans le cas de My Hero Academia, j'ai pas encore commencé la saison 2. Il faudra que je attaque la saison 2 en fait. En même temps, si je jouais pas à des jeux vidéo H24, j'aurais peut-être le temps de regarder des dessins animés. Faut que j'y pense un peu. Non, non, t'as raison, Devo, il faut parler, il faut me parler, il faut me faire parler, en fait. Ça peut que m'aider. Non, là, j'ai commencé un animé, putain, comment... J'ai vraiment une mémoire, mais tellement sélective, quoi. Putain, le dessin animé, je l'ai commencé il y a quoi, il y a même pas 2 semaines, et j'arrive déjà plus à me rappeler le nom, quoi. J'arrive à me fatiguer moi-même. Quand il arrive en chat, tout le monde déjambe ce trottoir. Ils ont pas peur de lui, mais de ce qu'il pourrait raconter. Alors, c'est la folie sur le Twitch live. Quand des mots arrivent sur le chat. Ta 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 ta. Voilà, maintenant j'ai envie d'écouter de la musique. Ah, bah quel, t'es con. Ta 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 ta. Il arrive sur le chat. Tout le monde change de toi. Ça devrait aller. Faut toujours évaluer si la personne aura besoin d'aide avant d'intervenir. Il ne sert à rien d'intervenir dans des choses qui ne nous concernent pas. GG des morts pour ton level 15. C'est pas faux, c'est vrai que Wolfie au début tu l'as bien cherché. Hein. Mais bon, une fois extraverti un petit peu, notre Wolfie elle était bien. Et en ce moment, je crois qu'elle a d'autres choses en tête. Ce week-end, il y avait son copain qui devait passer la voir. Je crois bien que notre Wolfie s'est lancé dans une relation à distance.
Ah, ces jeunes filles. Ou alors c'était le week-end dernier. Je sais plus. Je suis un peu déphasé par rapport à tout le monde. Ouais, puis elle s'était trouvé un streamer plus jeune et plus mignon que moi à aller regarder. Je peux pas la critiquer à ce sujet. Oh, moi ça fait longtemps que je sais pourquoi j'ai du temps et je ne prendrai pas de relation à distance. Quand tu veux voir la personne et que tu peux pas la voir, c'est juste une torture. J'ai déjà fait une fois, je le conseille vraiment à personne. C'est juste horrible. Bah pour être allé voir un de ces lives, ça m'avait pas trop inspiré non plus, je dois bien l'avouer. Elle me l'a conseillé plusieurs fois. Après c'est toujours pareil, hein, chacun ses goûts comme on dit. Je suis désolé chaton, tu peux pas rester là. Puis je suis jaloux, ma Wolfie elle me trompe alors. Qu'est-ce qu'on va faire, Bégal? Dis-moi, comment allons-nous la protéger? C'est ça. J'ai eu mon premier troll sur YouTube au fait. Démo. Un monsieur qui pensait me faire mal en me disant que j'étais gros. Genre je le savais pas. Du coup ça m'a fait bien rire. J'ai essayé de parler avec lui et ça a pas marché. Mais bon, comme je discutais avec un collègue de boulot qui me disait je comprends pas les réseaux sociaux, tout ça, avant on rencontrait les gens dans des bars et tout, et je lui disais mais va rencontrer une femme dans un bar, va lui dire qu'elle est mignonne, direct tu te fais agresser. T'as l'impression de l'avoir insultée en lui disant qu'elle était mignonne en voulant lui offrir un verre. Je fais partie des réprouvés. Et alors ? Notre heure viendra. Pas de soucis. Enfin bon, après je suis pas très doué moi pour draguer.
Et Internet est un super moyen de trouver des gens qui n'en veulent pas trop. Et c'est étrange comme quand tu dis que tu veux pas de relation stable, que tu veux pas d'enfants. Bizarrement, les gens sont beaucoup plus attirés par toi. Enfin. Cela n'est point le sujet. Lumière soit avec vous. Allez dans l'honneur. Tadam! C'est ça. Et à ce sujet, Twitch m'aide beaucoup à m'extérioriser. C'est ça. À m'extérioriser, finalement. Je suis beaucoup moins timide que je l'ai été dans le passé. Que puis-je pour vous ? Au grand dam de certains d'ailleurs. C'est peut-être d'être obligé de montrer mon visage très peu gracieux, ma barbe que je rase quasiment jamais, et le fait que je sois gros. Donc il faut que je cumule tout, et du coup maintenant je le montre et j'en ai plus rien à foutre de ce que pensent les gens. Bon, ça faisait un moment. Mais je pense que Twitch m'aide quand même un petit peu. De toute façon, il faut gagner autant que ce que tu donnes, et pour l'instant je donne ce que je peux à mes viewers, et eux ils m'offrent la possibilité de m'extérioriser un petit peu. Et ça, c'est bien. J'apprends. Je vous souhaite une bonne journée. Ce sera plus tard. Je t'en arrive, mon fils. C'est bien. Le suc de zombie. Ça a l'air bon tout ça. C'est qui Stephen Lisban? Ah oui, la Strange Bronze, c'est bon. Strangle 11. Que puis-je pour vous? Prenez soin de vous. Salutations. Que la journée soit bonne. Je te porte rien du tout. Non, Demo, je suis pas d'accord. Moi, je veux pas m'engager, mais je sais pourquoi. Je sais que je suis insupportable, je connais mes défauts, et j'ai pas envie de les changer, en fait. Je sais que c'est enfantin, hein, quand je dis ça, mais je vois pas pourquoi ça sera à moi de changer, en fait. Je suis capable de donner de la place à une personne, je suis capable de sacrifier certaines choses, mais ma passion, c'est les jeux vidéo, je veux faire des lives. Et je vais pas m'engager auprès d'une personne si je sais que je pourrais pas lui donner même pas 10% de mon temps, quoi. C'est pas d'immaturité, c'est juste avoir conscience de ce qu'on est capable de faire ou pas, quoi. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je suis pas capable de donner mon temps à quelqu'un. 169. On a 170 PO. Et on finit avec... Vous voyez, juste avec les petits objets verts, j'ai gagné 7 PO. 7 PO 40, mais on va pas en parler. Salutations. Prenez soin de vous. Comment allez-vous? Je
tard. C'est vrai, l'échange équivalent n'est pas totalement vrai vu que tu peux le squeezer. Mais ce n'est pas en changeant de sujet que tout ira mieux. J'ai vraiment rien à dire. T'inquiète pas, Zenshu. On déconne tout à l'heure, hein. T'es pas obligé de parler non plus. Hein. Il y a des fois, il n'y a rien à dire. Un Zenshu sauvage, attrapez-le! Je vous écoute. Je vais mettre le Discord pour que vous puissiez venir queener dessus aux prochaines sessions. Eh, on n'est pas obligé d'avoir un avis défini sur tous les sujets du monde. Enfin si, moi je suis obligé parce que je suis streamer, du coup je suis censé avoir une réponse à tous les sujets du monde. Mais salutations. Oui, un Discord ça va être marrant. Alors le Discord ça sera pendant les sessions nouveaux, hein. Clairement je compte pas mettre le Discord à chaque fois que je fais un jeu. Parce que je sens que vous allez me troller H24 sinon. Pour manifester sa présence. Non mais un streamer qui te dit bah j'en ai rien à foutre de ton sujet, forcément tu vas te sentir vexé. Alors il y a des fois où je peux pas répondre parce que j'ai vraiment pas d'avis, mais il faut quand même que j'essaye. Autant je suis censé avoir l'avis sur quasiment tout. Ouais par contre non, faudra pas crier hein, ça va me faire mal aux oreilles tout ça. Un bon voyage. Les ocres sont de sales voleurs. Paquet, un couteau suisse. Et c'est le rôle d'un streamer, hein, les amis. Rendez-vous bien compte, hein. Regardez tous les streamers que vous observez, hein. Il y en a rarement qui vous diront va te faire foutre avec ton sujet, dégage, quoi. Au pire, tu dévies un peu, tu dis ah tiens, je connais pas, parle-moi-en. Comme ça, tu fais parler la personne. Et tu développes ton avis par rapport à la façon dont elle te parle. Mais tu as personne qui te dira va te faire foutre, je m'en fous de ton truc, dégage. Salutations. Que la journée soit bonne. Putain, on va pas réussir à avoir fini le bois de la pénombre avant la fin du live, quoi. Ça aura fait deux lives sur les bois de la pénombre. Hein. À bientôt, frère chaton. Bientôt. Tu pourras aller sur la fenêtre. Tam 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 tam.
Quoique bizarrement, les streamers qui insultent leur public semblent avoir pas mal de public du coup. Peut-être que je devrais insulter les gens. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bah dis-moi chaton. Ouais. T'as raison, on va continuer comme on fait actuellement, c'est mieux. Et je vais peut-être récupérer un ordi pour juillet. Ah, c'est cool ça. C'est pas faux, il y en a qui se le permettent parce que bah ils ont une communauté assez importante. Carrément, insulte-nous. Non. Je peux pas faire ça, déjà parce que je vous connais pas vraiment. On se connaît par écrit, on a discuté ensemble, mais je ne vous connais pas physiquement. Et du coup, tu récupères quoi comme ordi? Un ordi neuf ou une récupération d'un vieil ordi d'un collègue? Tu vas te mettre au stream? Tu vas me voler mes viewers? Tu vas me voler ma célébrité? Tous ces milliards que je gagne tous les mois sur la Twitch Money, quoi. Je sais plus c'est qui m'a envoyé un message privé comme ça pour me demander combien je gagnais par mois. Ouais, j'ai bien rigolé quand même. Je me suis dit, il y a vraiment des gens qui croient que les petits comme moi gagnent de l'argent sur Twitch. Ou sur YouTube aussi. Bah sur YouTube, les gens ils sont dingues. Un rapistolage qui, selon le gars, peut faire tourner pas mal de trucs. Il te le donne ou il te le vend? Ah, parce que quand tu me parles de rapistolage, ça me fait un peu peur, quoi. Putain, on va peut-être finir les quêtes de... Ah ouais, on a plus qu'une quête à rendre et on a fini. Du coup, on aura peut-être fini à temps pour ne plus retourner au bois de la pénombre avant un moment. Du coup, derrière, on ira à Strangleronce. Mais cela sera pour une prochaine aventure. C'est cool ça quand même. Et ben j'espère que ça te suffira pour faire tout ce que t'as envie de faire avec. Mais de toute façon, n'importe quel ordi fera tourner YouPorn, soyons d'accord. Non, c'est bien, ta mère lui a rendu pas mal de services, donc il t'offre un ordinateur. Ça me semble être un échange pas mal. Je sais pas s'il est il est vraiment équivalent, mais en tout cas, ça me semble pas mal. Pas une référence. C'est pas vraiment une référence pour le coup des mots. Je veux pas être méchant, hein, mais enfin, WoW, les designs de WoW ont bien 10 ans de retard, quoi.
Ouais, je veux dire, tu dois le voir là à l'écran tout de suite. Du coup, on va pas tarder à se quitter, les amis. On se retrouve d'ici une heure et demie pour du Blue Dragon. C'est vrai, au pire, t'auras rien perdu. Et de toute façon, ça te fera toujours un petit ordinateur sympathique pour jouer. Comment allez-vous ? Que la journée soit bonne. Ah non, mais arrêtez de me faire chasser des trucs ici. Je finirai jamais cette zone. Est-ce qu'on peut le faire en 6 minutes? C'est la question. Bon, c'est à côté cette fois. Ça devrait aller, allez. On y croit. On y croit à fond. Je ne suis pas à portée. On n'a pas peur du noir. On n'a pas peur du vide. Et on fait peur à voir. Alors. C'est la panique sur le boulevard. Quand on arrive. Oui. Il me faut une cible. Hop, parfait. Raquel, on the road again. On the road again. J'ai des musiques dans la tête. J'ai des musiques dans la tête. Puis-je pour vous? Faites un bon voyage. Oh putain. Et 8 heures plus tard, la quête était finie. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est en train de travailler pour un fils de pute? J'ai l'impression que mon troisième sens me dit que ça va être une connerie. À la sortie de WoW, ce design était juste magnifique. Quoi. Malheureusement, ça vieillit mal. Faire quoi là? Pas la frais tuer. Ouais, pas de soucis. Je m'en occupe. C'est tout? Eh ben, il y en avait pour 5 secondes. Ça passe! Et voilà! Et du coup, on a fini la zone cette fois. Pour de vrai. Vous voyez, il n'y a plus de quête. Propre, net, nickel. Et on a gagné une bague. Une bague qui est mieux que ce que j'ai.
coup, on va remplacer ce que j'ai. Ça, ça partira à la poubelle. Et du coup, les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Wacken Live. Et un peu plus tard dans la soirée, pour jouer à du Blue Dragon. Et continuer l'aventure sur Blue Dragon. En attendant, continuez à jouer à des jeux vidéo. Et n'oubliez pas, l'important dans la vie, c'est de remplir ses quêtes. Et nettoyer la zone.